La cérémonie des Galsen Hip Hop Awards s'est déroulée à Sorano ce samedi 5 novembre passé. L'événement est devenu incontournable pour la scène hip-hop sénégalaise. C'était l'occasion de récompenser et de célébrer les artistes et les acteurs qui ont contribué de manière significative à la culture hip-hop au Sénégal. Les awards ont été remis dans différentes catégories et également des hommages ont été rendus à une liste de personnalités qui ont œuvré pour le hip-hop. À l'issue des résultats, c'est Gunmore qui s'est le plus remarqué en remportant le trophée de la meilleure mixtape, le choix du public et artiste de l'année. D'autres rappeurs ont également gagné, à l'exemple de Homso Dollar avec la meilleure vidéo, BMJ meilleur album, Talbi meilleur EP maxi. À l'international, le rappeur Didi B de la Côte d'Ivoire a remporté deux trophées, meilleur album africain et meilleur artiste africain. Une soirée mémorable pour la communauté hip-hop sénégalaise qui s'est déroulée avec de belles prestations de OMG, Deep Doundougis, Alien Dig et plein d'autres artistes. Retrouvez l'intégralité de l'événement sur la chaîne YouTube de One Nation TV. Gaston Bandy Mike, connu comme étant l'un des meilleurs rappeurs et lyricistes du mouvement hip-hop sénégalais, nous revient sur une autre facette, Gas Beat. L'artiste légendaire et engagé dont le rap a éveillé plus d'une conscience s'affiche cette fois-ci en beatmaker talentueux avec des rythmes qui vont plaire et intéresser le public. Le rappeur réitère son statut d'ambassadeur de la pure et surtout d'éveiller une génération de rappeurs sacrifiés par le buzz et le nombre de vues. Le patron du label Def Dara vous présente la compilation Defati Dara afin de rendre au rap Galsen ses lettres de noblesse. Le volume 1 est disponible depuis ce 4 novembre, le volume 2 arrive ce 11 novembre et le volume 3 et 4 disponibles le 18 et le 25 novembre prochain. À l'initiative de Conscience Music Group en partenariat avec Token Tracks, plusieurs grandes voix de la scène ouest-africaine se sont réunies pour l'enregistrement du single « My Sahel » qui porte un puissant message de paix et de solidarité. Parmi les participants à ce projet humanitaire, la chanteuse et rappeuse sénégalaise OMG, l'une des figures incontournables de la musique urbaine du Sénégal. Oumigué OMG est devenu une valeur sûre de la musique urbaine sénégalaise et ses vidéos figurent dans les top 10 des clips les plus regardés par les internautes sénégalais sur YouTube. En se joignant à l'initiative My Sahel, Oumi rappelle que le hip-hop est avant tout un engagement social. Le clip My Sahel filmé par Seb Monk est à suivre en intégralité sur YouTube.